Elle est fière de s'associer au défi McDonald's, opposant les Boys aux Canadiens de Montréal. Ah bien, le Canadien, ce matin, a commandé un exercice tout à fait spécial. Il n'y a rien de facultatif. On se prépare fébrilement pour ce match qui sera disputé maintenant dans 11 jours et dont les profits seront versés, bien sûr, au manoir Ronald McDonald de Montréal et Québec, le club de hockey canadien pour l'enfance et la fondation Sakou Koivu. En instant, les Boys également se préparent fébrilement. C'est au tour des Canadiens maintenant de s'exercer sur la glace du Centre Bell. Michel, les boys avaient l'air nerveux un tout petit peu. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Nerveux, anxieux. On se fie beaucoup à l'expérience parce que les boys représentent une équipe d'expérience. Donc, l'entraîneur aura tout un travail à faire et on pense naturellement à Stan. Est-ce qu'on va avoir un match d'hockey au moins? André, ça sera tout un match. Ce sac n'est pas un simple sac. Il contient l'expertise et le savoir-faire de nos gens spécialement formés à l'école des professionnels métro. Ce sac contient la complicité de nos experts, grâce à qui vous êtes certain de donner une nouvelle saveur à votre cuisine. Nos bouchers, fruitiers et poissonniers sont formés. Cuisinez-les. Propriétaire de Jeep TJ, on se comprend. Dans le monde de Natrel, nous créons uniquement du lait et des produits laitiers de tout premier choix. C'est là notre seule raison d'être. Parce que le lait chez Natrel, c'est notre passé, notre présent et notre avenir. C'est pourquoi nous vous offrons Natrel Ultra Lait. Le lait qui goûte naturellement bon. 26e, s'il vous plaît. Je viens pour une entrevue. Gros job. Job facile. C'est pour moi, ça. En plus, ils fournissent l'auto. Ils sont malades. Toi, tu fais quoi à Grande? C'est moi qui fais passer les entrevues. Il y a des classiques qu'on voudrait oublier. Mais un mec classique à 1,69$ tous les jours, ça ne s'oublie pas. Droite au but. Avec Tide. Le moment fatidique qui approche de plus en plus. Tout le monde est d'accord.
encore ici au Centre Bell, Michel, que ce sera tout un duel de gardien de but aujourd'hui entre Fern et Théo. Tellement d'expérience du côté des boys avec Fern devant le filet. Il est sûrement l'âme et le cœur de cette équipe. Et pour le Canadien, José Théodore, mais tout a été dit sur le gardien du Canadien. Merci, Michel. Ben, aujourd'hui, on aura deux reporters qui vont épier les moindres faits et gestes aux bancs respectifs, aux deux bancs respectifs. On a Annie Pelletier chez le Canadien et il y aura aussi Chantal Lacroix chez les Boys. Mais on va retrouver d'abord Chantal Lacroix qui est dans la chambre des Boys. Alors, comme le mentionnait Michel, il y a 11 jours, les Boys sont extrêmement nerveux. On sent beaucoup d'anxiété ici dans le vestiaire des Boys. J'ai le privilège d'être en compagnie de Fern. Est-ce que tu te sens confiant? Madame Lacroix, je vous dirai une chose. Je suis très confiant car j'ai analysé les statistiques. Et les statistiques nous démontrent que c'est la première fois que nous affrontons le Canadien. Donc, toutes les autres occasions avant, j'ai une fiche vierge. Ah bien oui, vu sous cet angle-là, c'est vrai. Là. Oui, bon. Tout à fait, oui. Alors, il y a des zéros partout. Ça ne m'énerve pas du tout. Mais non, je vois ça. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous en ce moment? Je dirais mon épouse à laquelle je pense et qui a été pendant de nombreuses années présente. D'ailleurs, parlant de présence, où est-ce qu'il est Stan? Notre coach? Je ne sais pas. Mais écoutez, là-dessus, on va aller rejoindre Stan. Annie Pelletier qui est dans le vestiaire des Canadiens. Stan? Merci, Chantal. Effectivement, ici, dans le vestiaire du Canadien, eh bien, c'est le calme plat. Il n'y a pas encore un joueur d'arrivée. Je pense qu'ils prennent ça un peu à la légère. Ils sont très, très calmes. Ils en ont vu d'autres. Mais il y a quand même quelque chose là, dans mon oreille qui me dit qu'il y a des choses qui se trament ici dans le vestiaire du Canadien. C'est le moment de le faire. C'est le moment ou jamais. Ouais, mais on le fait-tu, l'échange, ou si on le fait pas, Claude? Ah, je suis pas sûr. Je sais que ton joueur a encore des bonnes années, puis t'as un gros contrat avec, mais... Ouais, mais... Moi, je pense que dans l'intérêt des deux équipes, c'est là qu'il faut le faire, c'est maintenant. Ouais, je suis pas sûr, mais en tout cas, OK. Parce que nous, on est décidés. T'es prêt? Oh, ouais, OK, moi le faire, l'échange. Tu veux y aller? Mon Théo pour ton Fern. Bon, super. Ah! Hey! Merci, Claude. Je faisais longtemps, je voulais avoir cette carte-là. Ah! Avec Tide. C'est beau, hein? Les grands compositeurs. Moi, j'écoute rien que ça. Mozart, Bach. Il y a des classiques qu'on voudrait oublier. Mais un mec classique à 1,69$ tous les jours, ça ne s'oublie pas. It's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. Fantabulous night. 315 chevaux. Traction intégrale. Un utilitaire à portée de la main. Le nouveau FX45 d'Infinity. Si la vie était comme ça, il n'y aurait pas le concours Gagnez vos achats Visa. Utilisez votre carte Visa pour participer au concours et courir la chance de gagner tous vos achats Visa. Il y a un gagnant chaque jour de l'année. D'abord, je voudrais dire que on a assisté à des moments de sport, puis les gars, ils ont compris qu'on a tout ce qu'il faut. Le talent, l'équipement, saison après saison, il n'y a pas deux bâtons pareils. Faut trouver le temps long, gratter le tour bingo, tout le plaisir du bingo, n'importe où, n'importe quand. Loto-Québec vous rappelle que la loterie, c'est pour adultes seulement. C'est la loi. Droit au but. Avec Tide. Ce qui motive beaucoup, c'est la cause. Dans ce temps-là, tu ne te poses pas de questions sur comment ça va aller et si,
si tu as envie d'y aller, moi je viens pour cette raison-là. C'est la première fois que tu vas performer devant autant de personnes en tant que joueur de hockey avec des patins dans les pieds? Non, oui, en tant que joueur de hockey, oui. Mais cet été, j'ai chanté avec Éric Lapointe devant, je pense qu'il y avait à peu près 40-50 000 personnes. Ça, c'était excitant pour moi, mais ça, c'était encore plus énervant parce que, comme à peu près tout le monde le sait au Québec, je suis vraiment pas bon en patin. Mais là, il y en a plusieurs qui vont le voir en même temps, ça fait que c'est plus énervant encore. Ça, c'est pas la première fois que tu vis ça. Tu l'as vécu l'année dernière. Oui, on a fait ça pour lancer compte aussi l'année passée. Et non, c'est plaisant parce que les enfants ont l'air de tellement s'amuser, puis tout ça, puis nous autres aussi s'amusent un peu. Personne ne prend ça vraiment au sérieux, y compris les joueurs du Canadien. On sent quand même un peu d'anxiété dans le vestiaire des boys en ce moment. Ben écoute, on n'a pas perdu un match à date. On a gagné partout où est-ce qu'on est allé. Il y en a qui disent que c'était arrangé. Je le dis publiquement, ça n'a jamais été arrangé. Enfin, pas que je sache. Et là, contre les Canadiens, je veux dire, ça va être notre... c'est vraiment notre test. Pour que tu viennes en ligne 2, c'est une course en relais pour les échapper. Mathieu, toi, tu t'as pris justement de bon contrat avec le premier duel au niveau des attaques. Tu gèles le pas, puis tu l'envoies, tu peux même la dégager. L'important, c'est de mettre le couloir dans le trou. C'est bon? Merci. Qu'est-ce que ça représente pour toi, un événement comme celui-là, un événement bénéfice pour les enfants? Mais on en fait beaucoup avec les Canadiens. On essaye de, dans la saison, on essaie tout événement. Mais je pense que c'est unique à Montréal. Juste m'en venir avant, je suis arrivé tantôt vers 10h, puis j'ai de la misère à... C'est tellement de trafic, puis voir autant de gens qui se présentent pour ça, puis que c'est, je pense que ça fait deux semaines que c'est déjà, les billets sont déjà tous vendus. Comment tu te prépares avant un match comme ça, un peu humoristique contre les boys? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de préparation. C'est juste comme que j'ai dit, là, tout le monde s'amuse, tout le monde a un sourire ici aujourd'hui, puis on est venu pour les fans, puis on va s'amuser, on va essayer de gagner contre les boys. Les boys! Vos gueules! Alors, pas besoin de vous dire, j'ai pas besoin de vous dire. Comment c'était un moment important aujourd'hui? Dans mon livre à moi, je pense qu'on n'aurait jamais rêvé de pouvoir jouer contre le Canadien, excusez-moi. Bon, OK, c'est le Canadien. OK. Mais il n'y a pas de petite game, les boys. On est là pour le montrer un matin. Hein? On n'est pas venu pour apprendre aujourd'hui. Alors, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Notre plan de match aujourd'hui, essayez de poigner la rondelle. Quand vous l'avez, gardez-la! Dans mon livre à moi, c'est ça qu'il faut faire. Puis je veux juste vous dire que vous savez qu'on a eu vraiment, et puis quand je m'en souviens, des très bons moments ensemble. Dans mon livre à moi, là, plus son gros, moins ça fatigue. La dureté du mental! Mental, les gars, le mental! Dans mon livre à moi, là, on garde la tête froide. Dans mon livre à moi, il peut du gaucher le party bien vite. Guys, c'est fini. Raccroche mes pales. Oh, José, mon cerbère. Ce soir, on joue contre une équipe universitaire. Alors, le plan de match pour le soir, c'est de jouer au calme. Attends, pense à ça. Pense à la game aujourd'hui. OK. Hein? Here and now. Bye! Oui! Bye! Boys! 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 OK, les gars, un petit match spécial aujourd'hui. On joue contre les boys. Les boys, une ligue de garage. Alors, on vous demandait de faire attention un petit peu. Puis surtout, on vous demandait de jouer galant. Dernier commentaire avant de monter sur la glace. Mental. Mon testament est en ordre. C'est ça. Mon testament. C'est par là. Tide est fier de s'associer au défi McDonald's opposant les boys aux Canadiens de Montréal. Les nouvelles Pontiac redessinées. Tee!
Avec moi, pas de demi-mesure. Blanc, c'est blanc. Noir, c'est noir. Et quand je dis noir, là... Avec Tide. De fleur en glorieux, car ton bras s'est porté l'épée et il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée d'un plus brillant exploit. God keep on end, glorious and free. Alors, mon cher Michel, on va passer à la mise au jeu officielle de la journée pour ce match tant attendu. Bien sûr, il y a des personnalités du Canadien. On voit Régent Hall, Sakou Koivu, Ronald McDonald. Mais c'est une mise au jeu tout à fait particulière, hein? Les deux gardiens de but. C'est une première pour moi, les deux gardiens de but qui vont s'exécuter lors de la mise gardien, en jeu. Mon gardien, mon cerveau. Alors, c'est Ronald McDonald, ouais, qui procède à la mise au jeu. Devant des caméras. Et t'as vu? Bon, l'esprit de compétiteur de peu. Immédiatement, il a voulu attraper sa trombone. C'est un arrêt, je présume. Faut que ça continue. Ça, c'est dans le grand livre des boys. Il y a des choses que vous allez voir aujourd'hui que nous n'avons probablement jamais vues. Un petit peu bizarre sur les côtés. Ah ben, on vous l'a dit, Théo contre Fern aujourd'hui. Voilà la préparation. Alors, plus tôt dans la matinée, Michel, il y a eu, c'est bien sûr, ces concours d'habileté. On ne peut pas passer à côté. C'est la tradition du défi McDonald's. Et puis, dans le premier concours d'habileté, c'est Markov avec les tirs de loin. On connaît la force de frappe de Markov et la précision aussi. Oh! Et là, ben, ce sont les gardiens de but qui... Mathieu Garon. Est-ce que c'est Mathieu ou José? Oui, c'est Mathieu. José semble très impressionné par la précision de Mathieu Garon. Deux en deux pour Mathieu Garon, Michel. Ça met de la pression un peu sur José. José qui va s'exécuter lui aussi. Deux tirs. Hey, c'est un bout à l'autre de la patinoire, oui, ce Michel. Oui. Ça fait que José en a déjà marqué un but dans un filet désert. Et en voilà un autre. Bon, ben alors, deuxième lancé pour José Théodore. On rate la cible. Alors, c'est M. Garon qui remporte ce concours d'habileté des tirs de loin. Alors, Mathieu, tu as réussi tes deux tirs de précision. Est-ce que ça t'arrive souvent de pratiquer ça à l'entraînement pendant les pratiques? Non, pas du tout. C'est quelque chose qu'on pratique pas souvent. On pratique plus à dégager la rondelle de la zone, mais pas à faire des buts comme ça. Bravo. Merci beaucoup. Mathieu Garon, comme l'a fait... Fern, le but est de l'autre côté, là-bas. On voit bien le but? Non, le but est beaucoup trop petit. J'ai oublié mes lunettes, là. Alors, écoutez... Allez me chercher les lunettes, là. Non, on n'a pas le temps de prendre des lunettes. Par contre, est-ce que t'as mieux une rondelle plus grosse? Oui, je préférerais une rondelle plus grosse. Alors, comment amène une rondelle plus grosse? Bon, alors, Fern, Michel a des problèmes de vision. Mais là, regarde la taille, là. Alors, je ne sais pas s'il va pouvoir réussir à la rendre de l'autre côté. Let's go, Fern! On the line! Quelle force de frappe, quand même, hein? Alors, la rondelle qui a été projetée par le gardien Fern des Boys. Oh, il va l'encourager. Je ne sais pas s'il peut peut-être passer le balai aussi. Oh, elle a raté la cible. Oh, reviens.
vu ça de ma vie. Fernand! Fernand! Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Un but extraordinaire. Extraordinaire. Ah, mais là, le gardien Fern qui a reçu l'encouragement de son entraîneur Stan. Et là, ben, c'est le début du match, mon cher Michel. On l'a dit, d'un côté, José Théodore, de l'autre, notre ami Fernand. Luc Lachapelle, que tu connais bien, tiens. Oui. C'est lui qui est l'arbitre du match d'aujourd'hui. Pendant Quintal, tout de suite, à 7 secondes, s'amène à... Oh, et un premier but pour le Canadien. Stan n'en revient pas. Non, Stan n'en revient pas. Stan est dans tous ses états. Dès le début de la rencontre... Quoi, 10 secondes? Quintal qui prend à contre-pied la défensive des Boys. Il est trop nerveux, là. Il n'y a pas de jambes, il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de diable, il n'y a rien. Je demanderai une minute de mon attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je m'étais amené ici dans l'espoir d'être à la hauteur des espoirs de ma femme Lisette. Ce but marqué à 10 secondes, un but chanceux, il faut le dire, m'amène à penser que j'ai perdu la fraction seconde qui me permettait de pouvoir livrer le match. Je prends donc ma retraite à l'instant. Fern, on n'a pas d'autre gardien, Fern. Je cède ma place au numéro 33, ma petite nièce, qui est allée s'entraîner avec l'équipe olympique, Madame Kim Saint-Pierre. Ah ben finalement, c'est une mauvaise nouvelle, la retraite de Fern, mais c'est Kim Saint-Pierre qui va prendre sa place. Oui, Kim, médaillée d'or à Salt Lake City. Michel, as-tu déjà vécu ça pour un gardien qui quitte comme ça, qui abandonne la première fois? Je vois tellement de choses qui se passent dans le camp des Boys cette saison spécialement. Et là que Fern vient d'annoncer sa retraite, mais ça donne la chance à Kim Saint-Pierre de jouer ici au Centre Bell devant 21 000 personnes. Et là, il ne faut pas oublier que le Canadien mène 1-0. Quintal a marqué à 10 secondes seulement. On a la confirmation. Alors, Théodore, est-ce qu'il est revenu à temps? Oui, très alerte. Disons que c'est une alerte calme. Oui, c'est ça. Là, il y a Koivu et Cherkowski qui se passent la rondelle devant le filet, mais sans trop de dommages pour Kim Saint-Pierre, je vous le rappelle, ceux qui viendraient de se joindre à nous remplacent notre bon ami Fern, qui a pris sa retraite. Un bel arrêt de Kim Saint-Pierre, oui. Quintal qui a failli exécuter un lancer frappé, mais il s'est retenu. C'est le Canadien qui est encore en territoire des Boys. Là on va effectuer une sortie de zone du côté des Boys. Avec une passe devant, là c'est un bel arrêt de Théodore. Et c'est Quintal qui va reprendre. On voit que le rythme est bon en début de rencontre, André. Les Boys, beaucoup plus rapides que ce que je pensais. Là, je ne sais pas si la rondelle a pénétré. Non. Arrête Kim Saint-Pierre. Je me demande, André, si le sifflet ne s'était pas fait entendre avant le dernier lancer du Canadien. Et là, à ce moment-là, Kim Saint-Pierre, en entendant le sifflet, tout simplement arrêté. Ah ben là, le Canadien qui est toujours en territoire des Boys, Ribeiro qui fait une passe, mais oh là, c'est un but des Boys dans son propre but. Julien qui marque dans son propre but. Il semble tout fier. Pas si son coach connaît les talents de marqueur de Julien, mais quand même. Dans son propre but. Je sais pas si son coach va aimer ça. C'est l'autre côté, il faut que tu marques. Ben là, quand il y a un joueur du Canadien qui te fait une passe, là, t'es bien mieux de l'accepter puis compter. Hein. Stan! Qu'est-ce que c'est ça, ce soir-là, Julien? Mais là, je t'ai mêlé, Stan. On joue contre le Canadien, pas avec! Oh, ben moi, tu dors pas parce que tu penses à ce game-là! Un compte avec, c'est un esprit d'équipe ici. On est tous là pour la même cause. Ah oui, je suis bien! Bon, calme! Bon, ben là, ça fait que le Canadien mène 2-0, mon cher Michel. Le but a été accordé à Julien, finalement. Ben oui!
Stan, l'entraîneur des boys, était loin d'être content. Pas fort, mon Julien, pas fort. T'as fait un but pareil, hein? T'as fait un but pareil. T'as dit qu'une traite de faire un but, oui. Oui, non seulement une passe de libéro, mais j'ai compté sur la championne olympique canadienne, Kim Saint-Pierre. Faut le faire. Ah oui. Au centre Bell. Oui, je comprends, sauf que t'as pas visé dans la bonne équipe. Alors, un peu plus tôt aujourd'hui, on a présenté les concours d'habileté et on vous en présente un deuxième après les tirs de loin. Là, c'est l'avantage numérique. Alors, vous le voyez qu'il y a trois blancs contre un seul rouge et c'est le nombre de buts. On s'est frappé de Doug Gilmore. Et l'apéro qui vient de marquer lui aussi. Yann Boulis, un autre de Perrault, ça lui en fait deux. Et Yannick Perrault. La grande vedette de l'avantage numérique avec trois buts. C'est au tour des boys qui viennent aider les Blancs. On voit Jean-Charles, alias Yvan Ponton, contrôler la rondelle. Et parfait contrôle de la rondelle. Et c'est le but. Qu'est-ce qui se passe? C'est le but, mais là, j'ai l'impression que la rondelle est restée collée. Oui. Encore une fois, quelque chose qu'on n'avait jamais vu, André. Toute une stratégie, hein? Une grande stratégie. Il faut de la stratégie contre Théodore. On a réussi, c'était parfait. Mais... Qui a pensé à ce petit plan machiavélique là? Ben, ça, c'est les boys, hein? On fait juste... Faut pas oublier que je suis avocat, alors ça prend des plans. Il faut se sortir d'affaires. Ah, ben, on retourne au hockey, c'est 2-0, le Canadien. Et là, au territoire des Canadiens, les boys sont, il me semble, incapables. Ils ont de la difficulté à contrôler la rondelle, hein? L'exécution se fait assez difficilement du côté des boys. La nervosité, probablement. Pourtant, avant le match, il le sort dans les yeux 22 000 personnes. Et là, oh, quel beau but! Et ça, c'est le but de Lenny Joe Goudreau. Quelle feinte à la droite de Théodore et le déjoue du côté de la mitaine. On voit la reprise ici. Feinte à droite et choisit la partie supérieure. Très beau but. Hein? C'est 2-1 maintenant. L'écart est réduit à un seul but. On va finalement avoir aussi un bon match. Oui. Alors, Lenny Joe Goudreau qui marque pour les boys. On vous rappelle que Quintal avait marqué à 10 secondes du début du match. Et ensuite, notre ami Julien qui, malencontreusement, lui, a marqué dans son propre filet au grand désarroi de Stan. Qui me semble très nerveux. Hein? Là, c'est Patrick Traverse en zone des boys. Je vous rappelle aussi que Kim Saint-Pierre est le gardien de but. Et là, c'est un autre but des Canadiens. Le but de Dakel, après un bel arrêt de Kim Saint-Pierre, oui. Il saute sur le retour du lancer. On n'a pas eu beaucoup de protection là-dessus, Kim Saint-Pierre. Hein? On a, du côté des boys, défensivement, on a un gros problème. On tourne le dos au jeu. On voit ici Méo qui se demande ce qui se passe, mais on laisse le gardien de but seul, finalement. Est-ce que c'est la nervosité, ça? C'est un peu d'anxiété aussi. Alors, le Canadien qui mène 3-1 devant les boys, ça, on s'y attendait pas beaucoup. Pendant que Méo lui jette un coup d'œil ce qui se passe du côté de la patinoire, parce que là, il y a une chance qui se pointe à l'horizon pour les boys. Oh, mais Théodore qui vient de faire un bel arrêt. Bon, il y a quelque chose qui se passe au banc des boys. Ils sont pas tellement bien allés du côté des boys. Tu parlais de nervosité, de l'anxiété. Tiens, Luc Lachapelle. Marcel! Marcel! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, t'as collé un change, je suis rentré sur le banc. T'es sur le banc des Canadiens, innocent? Où ça? Ah,
Non, mais les chandails sont quasiment pareils, mais je me suis trompé un peu, là. C'est avec ma vision. T'es encore colorblind? Mais on est bien assis ici, pardon. Je suis avec des winners. Les têtes t'en bas, excusez les gars. Excusez-les, il est colorblind. Des fois, il ne distingue pas les couleurs des chandails. Excuse-moi. On est chum à cette heure. Ça s'arrange pas. Oh, yeah. C'est ça, Stan a beaucoup de problèmes avec sa troupe aujourd'hui. Bon, on a repris le territoire des Canadiens. Et les boys qui sont... Bon, là, c'est Jean-Charles, alias Yvan Ponton. Ça fait à peu près 5-6 fois qu'il... Et je pense qu'on va lui accorder le but, Michel. Oui, absolument. Et on a vu Jean-Charles qui s'acharnait à prendre le retour à deux occasions et finalement a marqué. Là, on va revoir comment ça s'est passé. Oh, ouais. Il mérite ça. Hein? Il fait des efforts, là, puis... Alors, on lui donne, la chapelle lui donne le but. Oui, un but mérité, avec acharnement. Jean-Charles qui marque son 32e but de la saison. Et là, Théodore, lui, il jette un coup d'œil à l'arbitre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est Jean-Charles qui a marqué pour les boys. Et c'est maintenant 3-2, les Canadiens. Alors là, c'est Théodore qui contrôle la rondelle. Oh. Il lance la rondelle, malheureusement, dans la foule. C'est Michel, habituellement. Hein? Pénalité. Bon, on va voir ce qui va se passer. Théodore n'est pas d'accord. La chapelle, je pense, va lui coller un 2 minutes. Et on connaît le règlement des boys. Hein? Dans la Ligue des boys, c'est que le gardien de but qui lance la rondelle dans la foule doit se diriger au banc de pénalité. C'est un règlement inhabituel pour nous qui suivons la Ligue nationale. C'est un règlement des boys ou de Luc Lachapelle? Les deux. Les deux. Ben là, on va voir ce que ça va donner, la pénalité à Théodore, parce que regardez, là, il n'y a plus de gardien de but. Et comme l'a dit Michel Bergeron, ça, c'est le livre de règlement des boys. Oui. Gardien qui doit passer les 2 minutes au banc. Imaginez-vous. Et on sait comment les boys sont habiles à contrôler la rondelle. Là, ben voilà, c'est l'égalité qui est créée. Un but marqué en avantage numérique. Notre camarade de Flash, Alain Dumas. Quel talent. Ah, quel talent. Tu avais du revers. Il dépose tout simplement la rondelle dans un filet sans gardien. Et là, c'est le changement de gardien. Ça, c'est de mise hein, dans un match comme celui-là. Oui, absolument. José, je vois des petites gouttes de sueur sur ton front. Là, c'est-tu du fake, ça, ou c'est des vrais? C'est des vrais, mais ils sont pas grosses, comme tu peux voir. Hein. Ils sont mais quand même! Ben, les boys, ils me donnent du fil à retordre. C'est une bonne équipe. Ils m'ont fait travailler fort. Qu'est-ce que tu penses de ta punition? C'est un peu injustifié, mais connaissant l'arbitre, je pense qu'il était pour le show un peu. Bonne chance, oui. Ben là, on va vous présenter le troisième concours d'habilité. Et ce sont les cibles qui seront... Randy McKay qui ne voulait pas le manquer, les cibles. Non. Et c'est Cherkowski avec déjà deux, des trois en trois. Quatre en quatre. Je vais sortir les bonbons. Oui, c'est ça. Et lui, avec quelle précision, Cherkowski, fait tomber les quatre cibles. Après, toi, tu finis. T'as compté ton but, c'était très bien. Là, Stan qui cherche du bon. C'est Marcel. Oui. Il choisit, semble vouloir choisir Marcel, finalement. Pour les cibles. Tu regardes là, tu lances là. Ça va marcher. Que ça soit clair entre nous autres, tu m'envoies les cibles, là. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Si je peux trouver le but, ça va aller. Tu manques jamais par connaître. Tu vas l'avoir. Merci. Alors, Marcel qui est désigné pour les cibles chez les boys. Marcel. Faut pas oublier que Cherkowski, pendant qu'on tente de placer notre ami Marcel, s'il peut trouver le filet, ça va bien commencer. Si.
Ça, Tcherkovski, tantôt, 4 en 4. Là, il se mire, là, Marcel, pour l'instant, 88. As-tu vu le numéro 88, Marcel? Oui. Alors, pauvre Marcel, là, ça... Oh! Vous avez vu? Quelle... Non, mais... J'ai vu la réaction, ben, hein? Oui. C'est encore mieux que les montants. Ah, oui. D'un seul tir! Oh! Il y a des fantômes, il y avait des fantômes au Forum, il y en a au Centre Bell. Merci, m'avoir donné ma chance, Stan. Stan, tu peux venir, monsieur. Non, je suis pas revenu. Mais fallait y penser, Alain, finalement, de t'installer, évidemment. Pour... L'idée, c'était d'aller un petit peu à l'écart parce qu'il y a de la difficulté avec sa vision, hein? Exactement, il louche un peu. Exactement. Alors, on l'a un peu enligné totalement à côté, puis monsieur est à direct. Écoute, Marcel, ça a été tout un travail d'équipe, ce que tu viens de faire. Oui, et c'est probablement un record aussi. Excuse-moi, pourrais-tu te déplacer? Tu es dans mon champ de vision. C'est bon. Juste, c'est bon. Alors, c'est probablement un record. Est-ce que tu peux me regarder quand tu parles? Oui, parfaitement, okay, je te vois. Non, c'est bon, okay, c'est bon, correct. Mais d'après moi, tu es un petit peu à gauche. Oui, OK, correct, oui. On arrête de niaiser, là. Non, mais écoute, ça a été tout un travail d'équipe. Oui, travail d'équipe, et j'ai été étonné de l'explosion, moi. Écoute, le cœur m'a arrêté, moi. Tide est fier de s'associer au défi McDonald's opposant les Boys aux Canadiens de Montréal. Je vous rappelle le pointage, c'est 3-3 entre les Boys et les Canadiens. Ça devrait nous permettre d'assister à une bonne fin de match, Michel. Hein? Oui. Quand le pointage est égal comme ça, là, tout le monde est sur le qui-vive. Puis là, c'est une attaque des Boys en zone des Canadiens. Là, il y a eu une mauvaise passe, dommage, mais on va tout de suite récupérer chez les Boys, là. Et ça pourrait être dangereux. Et voilà! Le but de Bob! Bien placé. Bien placé. Hein? On sait que Bob aime bien travailler dans le territoire adverse, près du filet. On connaît la force de frappe de Bob. À 10 minutes 59, donc, pour la première fois dans le match, les Boys qui prennent les devants 4-3. Il faut souligner la forme physique de Bob aussi. C'est un athlète qui, au fil des ans, a su prendre soin de sa forme physique. Est-ce que Gilles Berlu, là, y a-tu trop de joueurs sur la patinoire? Encore une fois, André, c'est le règlement des Boys. Stan, qu'est-ce qui se passe? Tous les joueurs sont rendus sur la patinoire, ça marche pas de même? C'est ma nouvelle stratégie. J'ai vu un vieux règlement oublié, c'est possible. C'est vrai, ça? Dans le cas de certains événements, c'est possible. C'est pas moi d'être en avance comme ça, c'est un certain événement. Alors, on peut, alors, à ce moment-là, s'en servir dans ce règlement. Sauf que les Boys n'arrivent même pas encore à scorer. Je t'inquiète au double. Et là, ben, il y a deux gardiens. Fern, tu l'avais dit, hein, pourquoi sa retraite prématurée, là? Il commence à le regretter. Ah, ben là, il y a un but. Luc Lachapelle signale encore une fois. Il y a but du côté des Boys. Ce qu'il faut retenir, André, c'est la patience des Boys. Ils ont contrôlé la rondelle. Ils ont attendu au dernier moment pour prendre un tir de qualité. Alors, on pourrait donner 6 ou 7 passes. Oui. C'est évident. Le contrôle de la rondelle. Hey, c'est 5-3, là, sans tambour ni trompette, les Boys qui se donnent une avance de 2 buts. C'est encore Bob qui marque pour les Boys. Qu'est-ce qu'il fait au centre de patinoire, c'est Marcel? Numéro 88. Marcel? 36. C'est-tu une caméra qu'il a dans les mains? Ben oui. Il a une caméra dans les mains, au Stan est de mauvaise humeur. Bon. Qu'est-ce qui se passe, Marcel? Ben là, depuis que je suis petit cul que je rêve de venir au centre Monson, de jouer contre les Canadiens, là, il faut que je filme, les gars ne me croiront pas à job. Puis d'après moi, je suis pas le seul à avoir de rêver de jouer ici. Est-ce qu'il y a du monde ici qui rêve un jour de jouer sur cette patinoire-là? Ben là, on fait appel, le Canadien. Le Canadien tire de l'arrière 5-3. On fait appel à un trio de renforts, Michel. Le trio McDo. Hein, oui. Michel-Alexandre Lucier, Jimmy Lheureux et Frédéric Néron qui viendront donner un coup de main à l'équipe de Claude Julien. Pourtant, le Canadien avait bien commencé. Oui.
Mais encore une fois, l'expérience, je reviens sur l'expérience des boys. Et les règlements, surtout, des boys. Ça, c'est une couple de fois avec les Nordiques et les Rangers, j'aurais aimé avoir ce règlement-là. Hein. Oh. Il y a des belles fêtes. Le trio McDo sur la patinoire présentement. Oh, un arrêt de Kim Saint-Pierre. Et le voilà. But après, oui! C'est Frédéric Néron. Entre les jambières de Kim Saint-Pierre. Donc, je pense que le premier arrêt de Kim Saint-Pierre, elle l'a fait sans le vouloir, mais deuxième, je pense que... Toi, nouveau joueur, j'ai plus de stratégie, moi, là! C'est pas prévu, ça! On a-tu déjà eu une stratégie? Il semble y avoir la confusion au banc des boys, André. On répond à l'entraîneur. Mais hey. En toute la légitimité du but, le but n'était pas bon. Oh. Des joueurs hors calibre, beaucoup trop forts pour nous. Deux minutes, c'est chiant, ça. C'est très chiant, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Oui. Il me semble que tu as donné une grosse enveloppe pour tantôt, tu pourras te dire. Ah, c'est bon. Quel bon comédien, hein, Michel. Méo. Pierre Lebeau. Alors, c'est Frédéric Néron qui marque pour le Canadien. Le trio McDo. Et l'écart est réduit à un seul but. Voilà une autre attaque sérieuse avec une rondelle qui a glissé à la droite du but. Et là, c'est libre jusqu'à ce qu'il y en ait trois là, qui cherchent à s'emparer de la rondelle. Et la passe devant, Kim Saint-Pierre l'avait à peine vue. Et là, le tir qui marque. Alors ça, c'est Michel-Alexandre Lucier du trio McDo qui vient de marquer le but égalisateur 5-5. Quelle belle journée pour ces trois jeunes. Et qui me titue. Alors jusqu'à maintenant, c'est le trio McDo qui vient de donner un sérieux coup de main aux Canadiens. Et on passe au dernier concours d'habileté, ce sont les échappés. Ça, c'est vraiment un peu spectaculaire, Michel. Oui. Ben, les gardiens se distinguent généralement assez bien. D'ailleurs, on dit que le gardien, c'est lui qui a la meilleure chance dans les échappés. Oui. Même lors des lancers de punition, on voit le pourcentage en faveur des gardiens. Et pourtant, on dit souvent que le gardien est à la merci du joueur d'avant. Mais c'est le dernier concours d'habileté. Et on va rencontrer Yannick Perrault. Annie? Yannick, qu'est-ce que ça représente pour toi qu'il y a des enfants, une journée comme celle-là? Bien, c'est une belle journée pour la famille. Je pense que c'est incroyable de voir qu'il y a autant de monde pour une journée comme ça. Puis on voit beaucoup d'enfants, fait que c'est plaisant pour les joueurs. Les tiens, est-ce qu'ils sont des estrades? Oui, absolument. Ils sont quelques rangées à l'arrière du banc. Puis c'est une belle journée pour eux autres aussi. Bon, on te souhaite une bonne journée puis un bon match. Merci. Bon, ce qui fait que dans les concours d'habileté aujourd'hui, les Rouges qui l'emportent, c'est le score final, la marque finale. Les Rouges qui l'emportent 13-10, mais dans le match, vous le voyez, c'est l'égalité, les Boys et le Canadien. Et là, les Boys qui viennent de frapper à la porte des buts de Garon, mais il a résisté. Au centre, maintenant, ça se poursuit avec Traverse et Kilger, maintenant, qui sont en attaque. Kilger qui remet à Traverse. Oh. On a vu avec quelle mollesse en défensive Jean-Michel Dubois des Boys s'est laissé prendre. Et ça a ouvert la porte à Patrick Traverse qui lui appuyait l'attaque et qui, de lancer du revers dans la partie supérieure, donne l'avance aux Canadiens. Ouais, c'est un beau lancer, pour ça. Hein? C'est impardonnable à cette période-ci de la partie de jouer mollement en défensif. Oh, là, je vois l'ancien coach là, qui commence à... Mais c'est pas ce que j'avais vu des boys, André. Non. De ne jamais abandonner. Là, les boys qui reviennent, c'est 5, là, le Canadien, vous le voyez à l'écran. Et les boys qui vont tenter le tout pour niveler les chances dans le match. Alors là, c'est une passe devant et un but des Boys. À nouveau l'égalité 6-6.
fois que tu participes à un événement comme celui-là. Ouais. Est-ce que c'est ton rêve de t'asseoir à côté des joueurs du Canadien? Ouais. C'est qui ton joueur préféré? Sakou Koivu. Sakou Koivu. Est-ce que tu l'as rencontré? Non. On va s'arranger pour que tu le rencontres. Bonne journée. Merci. Alors, Dufour a racheté son erreur. Oui, il a racheté son erreur, exactement. Et on sait qu'il s'en voulait. Et en arrivant au banc, Stan l'avait réprimandé. Donc, il égalise la marque avec un lancer à ras la patinoire entre les jambières de Garon. Alors, c'est le trio McDo qui est de retour dans la mêlée. On sait quel succès ils ont connu tantôt. C'est 6-6. Claude Julien n'a pas le choix, c'est le trio qui fonctionne le plus. Exactement. Présentement. Alors, le long de la rampe, c'est... là, il y a... on retient, pénalité. Oh, c'est un lancer que M. Michel. Encore une fois, le livre des boys. C'est Richard Goudreau qui sera chassé pour avoir retenu, soulevé. C'est le livre des boys de Stan. Dans son lieu. Et là, oh, ben là, regarde, chacun a une encore rondelle. Une fois, encore dans une le fois, livre des boys. Dans le livre des boys. Bon, ça, c'est un moment crucial dans le match. Avoir un but, un deuxième et un troisième. Ça, c'est jamais vu. Là, mais je pense qu'on va peut-être le voir. Est-ce qu'on va en accorder un ou les trois? Ouais, d'après moi, si ça va d'après le règlement du livre des boys, c'est trois. C'est trois. Alors, effectivement, victoire des Canadiens, 9-6 devant les Boys, une fin dramatique. Et il faut dire que grâce à cette journée au défi McDonald's, 105 000 $ ont été amassés pour les trois fondations. Alors, ça, c'est le moment important de la journée. Et pendant qu'on procède à la traditionnelle poignée de main entre les deux équipes, les Canadiens et les Boys, je vous invite à rester avec nous après la pause de la conférence de Stan. Droit au but avec Tide. Ah, par contre, t'as pas changé d'un poste. Peut-être deux, tu sais, les lunchs d'affaires. Mais toi, ça va bien les affaires? Oui, pas pire, pas pire. Karine, oh wow, c'est pareil. Mais c'est pas vrai, tu me niaises, là? Ben non, t'es comme avant. Le collagène, les implants, les mèches, et tu es en train de me dire que j'ai pas investi à la bonne place? Quelles que soient vos préoccupations financières, BMO Groupe Financier a des solutions sur mesure. Alors profitez. Minico est le seul fromage frais avec vitamine D. Vitamine qui contribue à la formation et au maintien des os. Dans les petits pots, le meilleur de Minico. Ce lundi à TQS, à 19h30, Ménic visite Folado au programme du vrai monde. J'ai des problèmes de calvitie, j'ai des problèmes de... À 20h. Je ne pensais pas ressentir quelque chose d'aussi fort pour toi. Le capitaine O'Malley a assassiné un très grand officier. Voyez Une balle suffit en primeur. Et à 22h, je vous donne rendez-vous pour une information différente au Grand Journal. Le programme du vrai monde, Une balle suffit et le Grand Journal, ce lundi dès 19h30 à TQS. La partie 1712. Elle est propre, douce et semble avoir tout un pouvoir d'attraction. Les vœux 2000 Hydra Réaction. Ils nettoient et aident à hydrater les 2000 parties de votre anatomie pour la plus belle partie de votre vie. La partie 204 doit être douce, satinée et invitante. Car maintenant, elle sert d'appui-tête. Les vœux 2000 Hydra Réaction. En plus de nettoyer, il aide à hydrater les 2000 parties de votre anatomie pour la plus belle partie de votre vie. Cette présentation du défi McDonald's avec les Boys et les Canadiens vous a été offerte par Tide. La pratique à quelle heure demain?
11h demain au Centre Bell. OK, ça c'est. En anglais? The same. La parole est à toi. Je peux-tu vous dire que c'est un moment difficile? Je l'ai pris un peu personnel. On pensait avoir le mental de notre côté. Ça n'a pas fonctionné. Je dois dire que l'apparition du trio McDo m'a un peu surpris. C'était pas prévu ni dans notre stratégie de match, ni, je suis sûr, dans les ententes que j'avais eues avec l'entraîneur du Canadien. Bien sûr, il y aura un post-mortem assez difficile à la brasserie chez Stan, tous invités d'ailleurs. C'est mon Rip Getty en spécial 2 pour 1 à partir de 5 heures. Faut rappeler que Fernand n'a accordé qu'un seul but dans le match. Malheureusement, il a pris sa retraite tout de suite après, ça non plus. Ça n'a pas été bon pour le moral de l'équipe. Il y a quelques joueurs qui vont devoir retourner à notre club école de Lantier, dans les Laurentines. Parce que j'ai vu là aujourd'hui le petit Dumas, le petit Dufault qui ont fait vraiment du beau travail. Que dire de plus, mon Dieu, c'est une défaite cuisante pour les boys, très amère à supporter. Et bon retour à la maison, conduisez prudemment. Et juste rappeler que nous, les acteurs, on est très heureux, les acteurs du film, d'avoir participé à cette chose-là. Qui a rapporté de l'argent, puis on est bien fiers de ça. Puis je vous remercie aussi de toute votre collaboration dans l'événement. Merci. Eh bien, en entendant ces propos du comédien Rémi Gérard, on a oublié Stan rapidement. Hein? Et ça doit faire quelque chose, Michel, pour ces artistes comédiens, de participer à un match de hockey contre le Canadien. Oui, absolument. Et surtout devant 21 000 personnes. Donc, à quelque part, ils réalisent peut-être un rêve d'enfance, soit de jouer pour ou contre le Canadien. Qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui dans ce match-là, toi, le plus? Bon, c'est la retraite de Fern. Quelle surprise et quelle tristesse. Fern, c'est un guerrier, un fier compétiteur, et il abandonne ses coéquipiers. Je suis surpris. Ben, merci, Michel. Et au nom de Annie, Chantal, Michel Bergeron, c'est André Côté qui vous dit merci d'avoir été là et à l'an prochain. Moi, je peux dire une chose, c'est quand on a écrit le premier boys, j'aurais jamais pensé que les boys nous amèneraient ici. C'est excellent, puis je suis très fier de faire partie de cette belle journée. J'ai beaucoup de plaisir sur une bonne cause aussi, donc je suis fier d'en participer. C'est une super belle journée, c'est fun pour les gens de venir ici et de pouvoir... Et en plus, avoir les acteurs aussi, les boys, c'était un film tellement popularité au Québec. On a tout fait ça, puis je pense que les gens sont contents, sont heureux. C'est ça qui est important. Et c'est qui ton genre préféré? Les choses ethniques. Est-ce que tu étais impressionné de sauter sur la patinoire du Centre Bell? Oui. Est-ce que c'est ta première fois ici à côté des gens du Canadien? Oui. Oui, c'est un gros trip d'enfant, mais en même temps, c'est des trips beaucoup plus grands que le mien, je pense. Pourquoi?